Eh bien, yep tout le monde, c'est Fuel Gaming, nous regardons pour une nouvelle vidéo, car tout simplement c'est comment voler avec une voiture. Donc alors, tout simplement, donc, alors, il vous faut la gravité lunaire, ce qui est super important. Donc, déjà on voit que la voiture n'avance pas vite, c'est normal, c'est à cause de la gravité lunaire. Alors il suffit d'avoir juste une toute petite bosse, et avec la gravité lunaire, et bien... vous vous envolerez en fait tout simplement. Mais alors, il faut aller à un endroit. Alors attendez, excusez-moi pour ce bruit. D'accord. Alors il faut aller à un endroit où il y aurait des boss pour vous envoler. Pour vous envoler, oui. Je sais pas trop où aller. pour s'envoler, vas-y, on va aller dans les montagnes. Bon, on voit déjà qu'on n'avance pas très vite. Attendez, c'est quoi cette vieille musique là? Je préfère ne pas en mettre. Ça c'est toujours le truc le plus con au monde. Car n'hésitez pas à accélérer la vidéo, hein. Ce serait vraiment pas mal de l'accélérer parce que le temps que j'arrive là-bas. Il n'y a pas de boss là par ici, hein. Ah, je pouvais m'envoler, mais j'ai pas pris le temps. Donc là, vous pouvez vous envoler le plus haut possible, donc avec la gravité, ce qui est vraiment bien. Bon, par contre, vous voyez déjà qu'on va pas très vite. Alors, bon, il y a un endroit où vous envolez et puis ben, en fait vous restez dans les airs en fait et vous pouvez contrôler votre voiture et tout. Alors, on dirait un peu que c'est en mode ralenti, mais bon, c'est juste pour la voiture. Alors, je suis mort vivant, d'accord. Alors là, on s'approche des montagnes. Là, on va pouvoir plutôt bien s'envoler, genre là-haut, là, vous voyez là. Attendez, mais c'est chaud quand même de conduire avec ça. Ah, mais tiens, je sais où je pourrais aller. Ah non, c'est pas là. C'est à côté de l'Eclipse Tower. Donc, je tiens à préciser, hein, c'est que en mode histoire, Next Gen, Xbox 360, PS3, PS4. Donc voilà. Ça m'a l'air plutôt pas mal là. Ah, on va aller à Vinewood. Oui, la Vinewood. Ah ben non, sinon on va aller là, clairement. Alors. Voilà, vous avez largement le temps de voler, quoi. Alors désolé, je suis malade. Alors bon, ça prend un peu de temps avant d'y aller, hein. Bon, voilà, là on vole. Bon, ça c'est incroyable parce que en fait c'est à côté de l'Eclipse Tower. Alors je vous dis où c'est exactement l'Eclipse Tower, elle est où? Vers là, un truc dans le genre. Je crois que c'est là. Bon, ben voilà. Ben en fait, une fois que vous êtes à Eclipse Tower, là, juste derrière, il y a un tremplin. Je sais pas si vous voyez. Si vous le prenez avec la gravité lunaire, et eh bien là, on vous envolerait. Donc, vous pourrez rester dans les airs en super montant et tout. C'est vraiment super bien. Moi, je trouve que c'est super bien. Pourquoi ça m'a stoppé là? Mais ça progresse, tant ça par contre pour monter. Ah, voilà, on va sauter là.
Bon, là, je pourrais facilement traverser toute la ville, je crois. Ouais, non, non, non. Pas trop rêver, hein. Oh, mais si je suis bloqué aussi, ça va pas aller. Alors. Moi, à mon avis, bon, si vous arrivez à monter en voiture au Mont Chiliad, eh bien, vous vous envolerez bien, bien, bien longtemps. Après, vous pourrez même voler normalement, enfin, genre, vous diriger dans les airs et tout. Donc, ce qui est vraiment pas mal. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à lâcher un petit like et je vous dis, allez, à plus les gens.